le petit a tué, tu vas nous le rembourser. Feu ou pas, feu ou pas, la la la. Bia, bia, bia de bon méca. Bia, bia, bia de bon méca. Le peuple tu a tué, tu vas nous le rembourser. Feu ou pas, feu ou pas, la la la. Paul Biya, assassin. Paul Biya, assassin. Paul Biya, assassin. Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, Kanto, Kanto, Macron, Kanto, Macron, Kanto, Macron, Biya, Biya, Biya devant. Biya, Biya, Biya devant mon cas. L'argent que tu as volé, tu vas nous le rembourser. Vaut ou pas, vaut ou pas. Ya, ya, ya. Biya, Biya, Biya devant mon cas. Biya, Biya, Biya devant mon cas. L'argent que tu as volé, tu vas nous le rembourser. Vaut ou pas, tôt ou pas. La, la, la. C'est comme ça, il faut mettre le sou. La femme m'a dit quoi? Non, c'est mon ami. Ah, ok. Elle est à maman, elle est finie. Elle ne pourrait pas. Ok, d'accord. C'est la Lyon président. Yemaraja Biouda. C'est la Lyon président. Yemaraja Biouda. Ok, c'est Joe Petit Voyageur. Quelles sont tes impressions après 2 ans ici? Bon, je voudrais aussi rappeler que une équipe de la basse est allée et on a parcouru 2 hôtels déjà. 2 hôtels sauf un, et il y a une résidence privée qu'on doit parcourir. Et en principe, sauf un, il n'y a encore personne. Sauf un, on n'a pas encore rencontré le roi Feignan. Quelles sont tes impressions après cette investigation? Toujours à sa recherche. Toujours à sa recherche, c'est bien. Toujours. Oui. Liberté. Voilà. Voilà. Il est ici, on va le trouver. Donc voilà, si Paul Biya est ici, on va le trouver. Je dis, là dit Sergio Petit Voyageur. Dans la question, en principe, nous sommes là. L'ambiance est bonne, enfin, comme d'habitude. Nous avons une délégation du Canada qui est arrivée. Nous avons une délégation d'Europe. Nous avons la diaspora camerounaise qui existe, qui vit aux États-Unis. Et par rapport à cette marche, nous avons à côté de nous un autre pays là qui nous a joint et on travaille dans un souci. C'est le Gabon, je pense. Et on travaille dans une collaboration, Sierra Leone, dans une collaboration Bon Enfant, Panafricaniste. Et donc, on espère que la communauté internationale comprend ce qui se passe. Mais ceci est la première phase de notre action. Opération Capturer la Bête a une seconde phase. Et la seconde phase est en cours. La seconde phase, c'est attraper Paul Biya. L'attraper et l'amener à la CPI. Et donc, nous avons déjà scanné 2 hôtels. Il y a un 3e hôtel qu'on va scanner et il y a une résidence privée. Et donc, pour le moment, je vous laisse au public camerounais. Liberté. Nous voulons être libres d'attendre. Liberté. Liberté. Au revoir Paul Biya. Nous voulons être libres d'attendre. Paul Biya, assassin. Paul Biya. Ok, quelles sont tes impressions, monsieur Bertrand? Je suis très content. Campo. Il y a un conflit qui oppose M. Campo, qui réclame les élections volées.
Liberté. Liberté. Oh, je vous remercie. Liberté. Nous sommes ici avec ça va, je suis en live, je reviens. Je suis avec le grand qui vient du Canada. Quelles sont vos impressions après une heure, deux heures passées ici aux Nations Unies? Oui. Bon, c'est plus la télé maintenant. Real live. C'est le live là maintenant. Je dis, ok, merci, je reviens. Mangez et on va parler après. Bon, vous êtes en live là. Je suis pas la communauté internationale. Nous sommes ici pour dire non. Non à l'hypocrisie. Non à la mascarade. Alors que tous nos leaders sont en prison. Voilà. Nous voulons aller au dialogue. Mais le dialogue avec nos leaders, pas sans nos leaders. Parce que oui. Ça, eux, ils nous donner la conduite à tenir. Mais pour l'instant, si ce croyant t'avait sa compagnie, ils sont en prison. Tanto et sa compagnie sont en prison. Alors il n'y a pas de dialogue pour qu'ils tiennent sans eux. Donc pour moi, il n'y a pas de dialogue sans mes leaders. Voilà. Le combat continue et le combat, ça va continuer aux 237 désormais. Ok, prof, et vous, quelles sont vos impressions après quelques minutes passées avec nous ici? Ok, moi-même, quelles sont mes impressions? Si. Ah, il faut nous dire. Tatamo, allez, dites non, voilà. La seconde phase se passe sans qu'on ne mette dans les médias. Mais sachez une chose, voilà. Nous avons trois secteurs. Deux ont escalé, un troisième secteur. Nous avons une chance privée. L'intention est de l'arrêter, non pas l'arrêter, de le capturer. Parce qu'on a une chance illégale. Voilà. Lui, on doit le capturer. C'est un criminel. On le capture, on le met à une FBI, on le transfère à la cour. À ce pays. Donc c'est ça quoi. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup les amis, comme vous voyez. Hey Patrick, c'est comment? Ouais, ça va. Quelles sont vos impressions, monsieur Patrick? Je tombe sur Patrice Nouma, je ne savais même pas qu'il était ici. Maintenant, je l'ai rencontré, le grand combattant de toujours. Quelles sont vos impressions? Dans quel sens? Bon, par rapport à cette opération capturer la bête, qui est en cours? Non, je pense que le slogan n'est pas réfléchi. Parce que, comme je le dis toujours, il y a à les organiser. Mais il n'y en a pas aux États-Unis. Il n'y en a pas en Europe. Il n'y en a pas en France. Vous ne pensez pas que c'est parce qu'il a su qu'il devait être capturé, qu'il n'est pas venu? Je ne peux pas aller dans tout ça, mais tout ce que je voulais dire, il faut qu'on s'organise. Oui. Oui. Ce dialogue. Oui. Ce dialogue là, nécessite de l'organisation de la diaspora toute intégrale. Nous devons déjà nous mobiliser nous-mêmes. Monsieur Biya, c'est comme nous n'avons pas pu faire depuis 4 ans. Exact. 4 ans, c'est la diversion, c'est les cancans, comme je le dis toujours, qui ne nous avancent pas nulle part. Oui. Et nous, tant aussi qu'il y a une minute de dialogue, vous lui disiez, non, je ne veux pas qu'on dialogue, parce que nous sommes arrêtés sur quand plutôt pour rien, comme vous êtes toujours dit, quand vous dites quand plutôt pour rien, qu'est-ce que vous mettez après Camto? Ce qu'on met après Camto, c'est l'inspiration. L'inspiration, parce que c'est lui, c'est grâce à lui. Parce que, imaginez-vous, nous avons eu 4, nous avons eu 3 élections. Et pendant les 3 élections, rien ne s'est passé. Ça, c'est la. Nous sommes à 2 élections avant celle-ci. Ça, ceci est la 3e élection. Et demandez-vous bien, qu'est-ce qui se passe que rien n'est fermé? Parce qu'il y a longtemps, on aurait tourné la page. Pourquoi est-ce que nous sommes encore dehors, si ce n'est pas Camto? Il est en prison. Mandela est en prison. Le pays ne fonctionne pas, le pays est paralysé. Non, le pays
Voilà, voilà. Absolument, absolument. Nous sommes, laissez-moi vous dire, monsieur le commandant Douma, nous sommes très focus. Nous sommes très focus. Comme je vous ai dit, il y a deux, trois élections, on aurait tourné la page. Mais cette fois-ci, la page n'est pas tournée. Cette fois-ci, il n'arrive pas. Paul Biya n'a pas pu venir ici après des investigations. Le Astoria Hotel, où il avait l'habitude de visiter, Waldorf Astoria, est en construction. Il y avait trois autres hôtels où les autres dirigeants sont logés. Nous avons scanné et il n'est pas là. Et comme vous l'avez confirmé, il est au Cameroun. Et s'il est au Cameroun, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est parce qu'il a peur pour sa vie. Et ça, c'est déjà quelque chose de gagné. Kamto, on a l'impression que Kamto est en prison. Mais en réalité, Paul Biya est dans une prison qui est beaucoup plus grande. Parce que quand vous regardez bien, il ne peut pas sortir. La prison, qu'est-ce qui caractérise la prison? Tu n'es pas libre de tes mouvements. Voilà, tu peux aller à la douche, tu peux aller à ce moment, Paul Biya est au Cameroun, il peut aller en Vombeka, il peut sortir, il va à la douche, mais il ne peut pas sortir du Cameroun. Ça, c'est un plus. Ça veut dire en réalité que Kamto n'est pas le prisonnier comme on pense. C'est Paul Biya qui est le prisonnier de Kamto, comme l'a dit le professeur Niamsi. Oui. Votre génération, vous et moi, nous allons donc être ici à parler de Kamto, de Paul Biya, sans penser à votre avenir à la génération de demain. Non, le temps. Moi, je vais répondre. Oui, je ne vais pas m'asseoir ici, parler éternellement de Biya, éternellement de Kamto. Comment faire pour redonner pas espoir, pour réaliser les rêves des peuples camerounais? Parce que les Camerounais ont des rêves. On dit qu'il faut maintenant les réaliser. Et moi, je ne veux pas m'asseoir ici pour parler Kamto ou rien pendant que mon grand frère Kamto est en prison. Paul Biya probablement va le condamner. On va continuer. Mais tu ne vas pas non plus l'écarter parce qu'il faut avancer. Non. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, justement. C'est pour ça que je dis, nous allons donc nous mobiliser pour le sortir de prison. Pour le mobiliser, il faut se concerter. Il faut une cohésion. Il faut épouser nos convictions. Vous êtes convaincu avec moi que beaucoup de nos compatriotes, que je respecte beaucoup, sont rentrés dans les cancans, la corruption. Paul Biya les a divisés aujourd'hui. Effectivement, et c'est ça. C'est Paul Biya est venu dans la scène, sur notre territoire, installer le tribalisme. Vous et moi, on ne se voit plus de la même œil. Vous et moi, on ne peut pas se voir comme on se voyait avant, peut-être, parce qu'il y a quelque chose qui s'est imposé. Et c'est ça que vous devez combattre. Réunir les Camerounais pour une nouvelle génération, pour un avenir pour Biya, 86-87 ans. Kamto, c'est un juriste international, un brillant Camerounais qui a représenté le Cameroun dans l'affaire Bakassi. Il faut se battre pour qu'il sorte de prison. Parlant, tout ça pour transférer. Parlant de 86 ans, Jacques Chirac vient de partir. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous savez, chaque fois que la société Dieu rappelle l'un de ses fils, on ne peut pas se réjouir de la mort d'un homme. Jacques Chirac a été un président français, un être humain qui a fait sa vie, qui a fait son temps. Dieu l'a rappelé pour son âme qui se repose en paix. Ok, merci, je vais revenir. Je vais revenir à toi. Merci. Ok, merci. Bon, il y a des sandwichs là, je pense que c'est la pause. Et donc. On va prendre une petite pause, mais on est ici jusqu'à 17h au moins. Et après ça, le programme reste secret pour le moment, mais je vais revenir et vous dire ce que, où nous sommes, quand nous y serons. Merci. On dit non à la mascarade. Et on l'a dit.